Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Investiguez. Lisons Éphésiens 4, le verset 29, Proverbe 13, le verset 3, Proverbe 12, le verset 18, Ézéchiel 36, le verset 25 à 27, Matthieu 15, le verset 11 et Luc 6, le verset 45. Éphésiens 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Proverbe 13, verset 3. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Proverbe 12, verset 18. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Matthieu 15, verset 11. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Oui, Ménège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec Jacques 3, les versets 1 à 12? Au revoir! Et à demain si Dieu veut! Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.